Vanakkam, les détails de la leçon sur les animaux domestiques. Nous avons la possibilité de voir ici les modifications de mots et qui nous donnent ensuite des nouveaux mots. Comme ici, nous avons un mot avec un suffixe de ka. Les verbes sont en rouge comme d'habitude. Nous avons ici l'exemple d'un mot qui est modifié, puisque on part de virdu, la maison. Exemple de verbe qu'il faut absolument connaître à l'infinitif, ainsi que la racine. Un mot, on peut avoir plusieurs possibilités. Anga, ut et tab. Comme il s'agit d'animaux, j'ai choisi une étable. Ce même mot, on le retrouve ici, mais recomposé. Avec une lettre, ce que j'appelle de liaison I. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons deux voyelles. Et cette voyelle plus cette voyelle ne peut pas être accolée. On est obligé de mettre une lettre de liaison, comme ici, c'est pareil. On a le V, IV, lettre de liaison avec UM. Lorsque nous avons UM dans une phrase, dans deux mots accolés, UM ici, dans ce texte, veut dire « et ». Herbe, tarum, tar, tara. Nous avons le complément d'objet direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des précisions quant au vocabulaire, aux règles de grammaire. À bientôt. Vanakkam.